Salut les amis, c'est Tom Phoenix et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 du Let's Play à Watersnake Valley. Et comme vous l'avez vu dans l'intro, et comme je vais vous le présenter en détail maintenant, eh bien, la Main Street est terminée. Voilà, alors que je vous montre un peu les détails. Déjà, vous pouvez voir le carrousel que j'ai complètement clôturé. Alors je sais, c'est pas le Venetian Carousel, c'est le plus petit, mais je vous avoue que j'ai fait dans la facilité, j'ai préféré le renommer et utiliser le panneau déjà existant dans le jeu, et donc on a ce carousel clôturé et avec un peu d'arbres, comment on dit, de sculptures végétales. En guise de théma de file d'attente. J'ai également fait, comme vous pouvez le voir, une autre jardinière de l'autre côté du chemin qui mène à la nouvelle zone, et j'ai terminé le chemin principal en prolongeant la haie. Donc on a terminé la Main Street. Vous pouvez voir également qu'il y a un bâtiment qui a pris place ici. C'est un bâtiment de backstage. C'est pour les tacos, on a dit que les tacos, on ne travaillait pas dessus aujourd'hui, mais j'ai préféré avancer en off sur ce bâtiment. Bon, c'est simple, hein, voilà. Alors, j'ai malheureusement pas trouvé de tacos dans les décors, mais j'ai trouvé des vieilles voitures. Bon, bah, tant pis. Tant pis. Et donc là, je suis passé par le garage, mais quand on passe les portes, ici, derrière le mur, on a un bâtiment employé. Donc oui, il est complètement camouflé. Mais donc, on a ce vestiaire avec donc derrière la porte le bâtiment employé. Et du coup, quand on passe la porte, on retombe voilà, sur cette petite allée qui ramène sur la Main Street. Voilà, pour les employés. Du coup, aujourd'hui, on va travailler sur une nouvelle zone et nous sommes au mois d'octobre. Et vous le savez, qui dit mois d'octobre dit forcément Halloween. Alors du coup, on va travailler sur cette zone et vous allez voir que elle sera thématisée vraiment Halloweenesque, mais pas fantôme. Vous allez voir, ce sera autre chose. Et vous pouvez voir qu'il y a déjà les bases du futur de la future montagne russe, à savoir eh bien, la gare, le lift et l'arrivée avec la zone de transfert track que j'ai déjà fait, comme ça c'est fait, et ainsi que la file d'attente. Donc le but aujourd'hui, ça va être de faire cette montagne russe et de commencer à travailler sur cette fameuse zone, et vous allez voir que, préparez-vous, l'apocalypse arrive. Du coup, j'en dis pas plus et je vous laisse découvrir dans un premier accéléré ce que va être cette fameuse zone. Attachez vos ceintures.
Eh bien voilà, messieurs, dames, après ce premier accéléré assez long, je dois dire, nous voici devant l'entrée de Scrapland. Scrapland fort dans un monde désolé, un véritable refuge après l'apocalypse. Et clairement, au sein de Scrapland, pour le moment, il n'y a pas la thématisation, mais ça va être fait dans le deuxième accéléré, tout du moins en partie, hein, je ne vais pas tout faire, hein, c'est sur toute la période d'octobre jusqu'à Halloween. Il y aura donc cette thématisation de ferraille, de zone où on utilise beaucoup de matériel recyclé. Et concrètement, je dois quand même vous dire que Scrapland est une scare zone au sein du parc. Donc oui, ici, on va se faire peur, c'est tout l'intérêt de la chose. Et laissez-moi vous montrer, comme vous pouvez le voir, vous voyez qu'il y a une montagne russe, vous l'avez vu dans l'accéléré, qui passe juste derrière l'entrée et qui plus est, la tête en bas. Oui, j'ai voulu faire cette figure où les gens ont la tête en bas. Mais donc voici la montagne russe. On va repasser en mode jour juste pour que vous puissiez bien la voir. Voilà donc cette fameuse montagne russe. Alors le layout est un peu biscornu, je dois dire. Je suis pas sûr qu'il soit très crédible. Au niveau des forces G, j'ai essayé de rester dans les normes. Après, j'avoue que j'ai énormément travaillé. Au départ, j'étais parti sur une drop de 40 mètres. Comment dire que oui, ça faisait le travail, mais en termes d'enthousiasme, c'était pas vraiment ça. Donc, j'ai poussé le bouchon et voilà ce que ça donne. Donc, on part, on a une drop de 55 mètres à peu près, quelque chose comme ça. Une première montée avec une boucle. Une redescente vers un virage large et fortement banqué. Un petit. Un bon gros bunny hop en fait, avec airtime. Un deuxième qui va tranquillement nous amener sur l'inversion. On plonge sous terre pour la suite du parcours et on va genre bien. D'ailleurs, ici, ça va être un endroit où il va y avoir du décor. Faire flipper les visiteurs encore un peu plus. Et on remonte et on termine tranquillement en passant sous la structure. Et voilà. Et donc, on a la file d'attente qui n'est pour le moment pas thématisée. Et en fait, j'ai énormément travaillé car, comme vous pouvez le voir, la zone de backstage, elle est là, mais à mettre le rail au ras du sol, il n'y aurait pas eu d'accès. Donc maintenant, ce qu'on va faire dans cette deuxième partie, eh bien, c'est déjà un petit peu faire la gare, la zone de transfert track. Et peut-être une petite surprise de ce côté-là, je ne vous en dis pas plus. On lance le deuxième accéléré. Thank you.
Eh bien voilà, messieurs, dames, après ce second accéléré, on peut voir que le Metal Monster a pris place. Alors bon, j'ai commencé donc la thématisation de cette montagne russe. J'ai même fait beaucoup de choses en off que vous n'avez pas vu dans l'accéléré. Et on va regarder tout ça ensemble. Alors on va prendre la file d'attente. Alors, j'ai pas encore totalement fini les intérieurs des bâtiments, ce sera fait, ou ce sera à faire pour le prochain épisode, mais je peux vous dire que, eh ben, cette zone de file d'attente, vous allez voir qu'on est vraiment dans une zone dévastée, et, comment dire, nos visiteurs ont intérêt à serrer les fesses, j'ai pas vraiment d'autres mots. Parce que eh ben, il y a des zombies en cage, voilà, hein. C'est dit. Donc voilà, on est vraiment dans une zone où il y a beaucoup, beaucoup de grilles, beaucoup d'électricité. Alors là, on le visite de jour, mais de nuit, c'est particulièrement flippant, hein, voilà. Hein, vous pouvez voir que on va se faire bouffer. Et donc, il y a toute cette succession de... enchaînement de grilles. Premier parc à bœufs, hein, premier parc à bœufs. Et ensuite, on arrive sur une petite zone un peu plus calme, mais bon, il y a des zombies derrière, hein, donc on se méfie. Hein. On reste loin des grilles. Hein, on reste loin des grilles. Et deuxième parc à bœufs, lui, en intérieur, et qui... bon, là, on le voit de jour, donc on voit les chaînes, mais de nuit, on ne voit que les chaînes au sol, en néon. C'est particulièrement flippant de nuit. C'est tout l'intérêt, hein, je vous ai dit, de toute façon, c'est Scrapland, c'est une zone dévastée, post-apocalyptique, donc c'est du béton, c'est des chaînes, c'est... voilà. Voilà, on arrive donc sur la montée du bâtiment principal, et comme je vous ai dit, l'intérieur, pour le moment, je ne l'ai pas thématisé, donc forcément, c'est très brut, si ce n'est brutal. Et on arrive dans le coaster. Alors le coaster, vous pouvez voir que je l'ai retravaillé. J'ai fait donc le bâtiment de staging. Bâtiment brut. Hein. Alors j'ai utilisé le Go Away Green pour tout ce qui est côté, côté Main Street, enfin côté station de train, etc. J'ai remodifié le coaster pour que, eh bien, il arrive du côté de la file d'attente et non du côté de la station de train comme c'était à l'origine. J'ai un petit peu fait rapidement hein, l'intérieur. Comme je vous ai dit, les intérieurs, pour le moment, je les ai pas vraiment travaillés. Et on va juste regarder. Du coup, il y a des nouvelles specs. De manière à ce que je l'ai retravaillé de manière à ce que il n'y ait pas trop de G. Donc on peut voir que en termes de résultats de test, je suis à 5,70 d'enthousiasme. Alors c'est pas en vert, c'est un tout petit peu en dessous. Je suis à 3,73 de peur, donc honnêtement ça va, c'est raisonnable. Il se fait presque pas assez peur, j'ai envie de dire. 1,05 de nausée, autant vous dire que vous n'avez pas la gerbe à la sortie. En termes de durée, il fait 104 secondes, donc pratiquement 2 minutes, un peu moins de 2 minutes. Pour un tracé d'un kilomètre 173, une vitesse maximum à 107 km/h, donc autant vous dire que ça bombarde. Il y a une zone qui bombarde bien en tout cas, vitesse moyenne 41 km/h, bon évidemment la vitesse moyenne se fait complètement écraser le nez entre le lift et la zone de transfert track. En termes de G, bon on est quand même haut, hein. On est à 3,57 en G latéral et en 5,12 en G vertical, donc c'est assez haut, c'est limite trop haut en G verticaux, mais j'ai essayé de limiter la casse, sachant que sur des précédents tests, j'étais monté à 7, donc non, on va éviter. En G vertical minimum, donc en airtime, on a des moins 3G,
ce qui est plutôt pas mal. Et on est correct, hein, 0,7 et moins 0,77 en G avant. On a une inversion. Une seule, c'est celle-ci, hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Longue inversion, hein, clairement, faut avoir le cœur et la tête bien accrochée pour la passer, celle-là. Et en apesanteur, on en a 6. Donc plutôt pas mal en termes d'apesanteur. Donc voilà, c'est tout pour l'épisode du jour. Alors non, pas totalement. Ce que je vous ai pas montré, déjà, c'est que j'ai fait du barriérage tout le long de la zone Scrapland côté montagne russe. Parce que la zone va être complètement barricadée, hein, clairement. Hein. On ne laisse pas les zombies sortir. Et j'ai agrandi, j'ai réduit la taille du parking pour agrandir la zone de backstage. Parce que sinon, bah, ça passait pas là. Les camions, les voitures ne passaient pas. Donc j'ai préféré agrandir la zone de backstage. Donc voilà ce qu'il en est. Du coup, c'est tout pour cet épisode. Donc bien évidemment, vous connaissez l'histoire. N'hésitez pas à lâcher un like sur cette vidéo si elle vous a plu. Lâchez un commentaire également pour me dire si vous monteriez ou pas dans le Metal Monster. Bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien abonnez-vous et activez la cloche. Partagez la vidéo autour de vous, ça fait toujours plaisir. La semaine prochaine, on va continuer à travailler sur la zone, hein, de toute façon jusqu'à fin octobre. C'est la saison Halloween, alors je vous garantis que la zone va être complète d'ici à fin octobre. Et croyez-moi, bon, je tease un peu, mais disons qu'il va y avoir du spectacle. Je vous en dis pas plus. Et la semaine prochaine, on mettra deux nouvelles attractions. Vous verrez bien. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée. C'était Tom Phoenix. Ciao !